Hop, voilà, je partage l'écran. Donc, alors, les morceaux des élèves en direct, allez, ça va être à vous, j'ai beaucoup parlé, maintenant ça va être à vous. Donc, qui est chaud pour nous jouer un petit morceau à l'harmonica? Alors, Georges a dit pourquoi pas moi, très bien, donc Georges, ok. Est-ce qu'il y a d'autres volontaires? Florence, peut-être? Non, Florence a le track, je veux pas vous gêner, hein, mais c'est que. Voilà, donc Jean-Louis a tendance à jouer beaucoup de morceaux, mais donc Jean-Louis ou un autre Jean-Louis, Jean-Louis le peintre ou Jean-Louis l'autre, Jean-Louis le chauve, on va l'appeler comme ça, le pauvre, il faut bien trouver quelque chose. Il y a eu, bah oui, il y a eu un, c'était Louis le chauve, je crois, il y avait un roi de France qui s'appelait comme ça. Florence dit, je ne sais pas en jouer. Ah. Bizarre, il me semble avoir vu tout à l'heure. Bon, allez, ok. Bon, non, je vais pas vous gêner. Hein, si vous voulez pas, si vous voulez pas, ne faites pas. Hein, je veux pas que vous mourriez de trac devant les autres. Mais si vous avez envie de jouer quelque chose, c'est le moment. Ok, donc allez, Georges, peut-être. Allez, on t'écoute, Georges. Tu nous joues quoi? Bon, bah, je vais essayer de jouer Montagne du Bugey. Pardon? C'est Montagne du Bugey. Montagne du Bugey, d'accord. C'est une valse, trottin. D'accord, une valse. On t'écoute. C'est plus lourd. Bravo, 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 merci, c'est une super valse. Et alors, est-ce que tu peux, moi je le sais, mais est-ce que tu peux expliquer aux autres comment tu fais l'accompagnement en même temps que la mélodie? En Je deux donne mots. des coups de... Là. Pardon? Voilà, c'est ça. Voilà, je donne des coups de langue. Voilà. Donc en fait, ce que fait Georges, c'est qu'il joue en tone blocking et ça permet le fait de prendre l'idée du tone blocking, c'est qu'on prend plusieurs ouvertures dans la bouche et en donnant des coups de langue, bah, soit il ferme les ouvertures, ce qui fait qu'on ne les entend pas, on n'entend qu'une note, et quand il enlève la langue, bah, du coup, on entend l'accord. Voilà. Et c'est ce qui permet effectivement d'avoir à la fois la mélodie et le de la valse derrière, quoi. Bah, un tango. voilà. C'était. J'en passe Super. les meilleurs. Génial, génial, génial. C'est super ça. Bah, Voilà, j'ai merci, appris franchement. comme ça, quoi, dis donc. Alors, Très bon. bien. Très bien. Bah, c'est super, bah, moi je suis très ravi d'entendre ça. Voilà, comme dit Jean, c'est vraiment. Alors ça ne s'appelle pas le tang blocking, c'est le tang. Alors, je vais vous mettre le mot ici. C'est tang, ça, désolé, c'est un mot anglais, mais c'est tang, c'est la langue en anglais. Donc c'est tang blocking, blocking parce qu'on bloque des notes. Et tang, c'est la langue. Voilà, c'est le fait de bloquer des notes avec la langue. Le tang blocking.
Merci beaucoup, Georges. Merci vraiment. Okay. Ravi. Est-ce que quelqu'un d'autre veut se lancer? Pas forcément sur une valse, hein, pas en temps blocking, mais juste un petit morceau comme ça. Autre chose. Je vois que Jean est en train de répéter. Tu veux venir jouer quelque chose? Oui, allez, Jean, on se lance. Non? Une petite mélodie non, comme je ça. Je ne sais pas encore jouer. Là. Ah bon? Ok. Bon. Non, j'ai qu'un mois d'harmonica derrière moi. Oui, mais on peut même quelques petites notes. Alors, peut-être un Jean-Louis, un des deux Jean-Louis. Allez, on se lance peut-être. Jean-Louis, voilà. Allez, Jean-Louis, je savais que tu voudrais bien. On t'écoute. On entend, là ? Oui, on t'entend. Attends, c'est bouché. C'est pas mal. Bob Dylan, Blowing the Wind. Blowing the Wind. Super. Très bien. Toi, ça, tu pourrais le jouer même en double stop, ça marcherait aussi. Je ne sais pas ce que c'est, le double stop. Double stop, c'est le faire de deux notes à la fois. Plutôt que d'accord. Faire. Tu peux faire. Toi, c'est pour faire des variations aussi de temps en temps. C'est ce que Bob Dylan fait de temps en temps, il fait des petites variations comme ça. Bah merci en tout cas, génial. Voilà, on a eu une valse, on a du Bob Dylan, c'est chouette ça. Merci beaucoup. Merci Jean-Louis. Ok, un dernier ou on s'arrête là? Encore. Le public réclame. Allez, réclamez les autres. Hey, encore. Voilà, il y a Ruby qui en veut encore. Alors, est-ce que Jean-Louis II veut nous jouer quelque chose ou pas? Ou est-ce qu'il hésite? Ou est-ce que... Problème des altérations. C'est toujours le problème des altérations qui me bloque, moi. Entre le 2 et le 3, je suis bloqué, là. Est-ce que tu connais un morceau sans altération? Ben, je ne sais pas. Dis-moi un sur lequel il n'y en a pas besoin, je ne sais pas. Oh, when the sense go marching. Ouais, peut-être, oui. Ah, ben voilà. Oula. Non, là, je ne peux pas, là, je le subis. On est en si bémol là. Comme tu veux. Super. Voilà, on a eu When the Sense sur deux octaves, l'octave médium, l'octave. Oui, bah oui, parce que quand je descends plus bas, après je suis bloqué sur les deux. Ouais, et ouais, trois. Mais très bien. Ok. Bah, bientôt tu pourras le faire sur les trois octaves aussi dans le grave. Ouais, je galère toujours avec le 2 et le 3. Hein. Ouais, je crois que j'ai commencé à jouer sur un chromatique et le fait de jouer en chromatique ça m'a habitué à jouer du bout des lèvres et j'ai du mal justement maintenant à faire les altérations à cause de ça. Je pense que c'est une mauvaise habitude que j'ai prise avec le chromatique et ça me bloque. C'est vrai que plus on est loin de l'harmonica plus c'est difficile d'altérer effectivement. Ah oui. Bon, bah ça va venir avec le temps, t'en fais pas. En tout cas, merci de ce petit morceau. Ouais, c'est toujours sympa d'écouter When Does Go Marching. Merci. Ok, bon. Est-ce que Jean-Louis a encore envie de jouer quelque chose? Non. Je vois souvent Jean-Louis jouer, mais c'est plaisant de voir. Ok, allez, c'est très bien. Merci beaucoup, hein, ces trois,
plus que trois morceaux, puisqu'il y a eu trois morceaux par Georges et un morceau par Jean-Louis. Merci beaucoup.